Direction Paris. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, Myriam El Khomri, c'est la surprise de François Hollande, celle que personne n'attendait à ce poste, ô combien stratégique. Si on regarde, c'est les premières secondes de Myriam El Khomri en tant que ministre du Travail. Voilà. Je sais pas dans quel état d'esprit elle est à ce moment-là. Oui, parce que peut-être là, on la voit sourire à la vidéo, mais peut-être dans sa tête, c'est ministère du Travail. Ouais. Est-ce que le chômage va baisser pendant que je suis ministre? Est-ce que j'ai... Non, et puis c'est un travail tellement gros que ça doit faire peur, quoi. Le taux de chômage, ouais, selon son importance, ouais, François Hollande pourrait être réélu ou pas? Bah oui, bah, finalement, Myriam El Khomri, elle a peut-être la réélection de François Hollande entre les mains. La réélection du président de la République entre les mains d'une jeune femme de 37 ans qui n'a fait ni l'ENA ni Sciences Po, forcément, ça intrigue. Alors moi, la question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce qu'elle a, elle a conscience de la tâche qui l'attend? Est-ce qu'elle a aussi conscience de ses limites? Est-ce qu'elle pense que sa seule présence permettra au chômage de baisser? Mais j'aimerais bien l'interroger sur tout ça, sur les stages, sur les jobs étudiants, parce qu'elle dit qu'elle en a fait beaucoup. Et des discriminations? Quand t'es à Bondieu ou à Paris, c'est le même taux de chômage. On est à 10 minutes de Paris, on est aussi à 10% de chômage, on a 10% de plus. Le truc, c'est que, est-ce qu'on doit broyer du noir et se dire que c'est fini, on doit partir, et fin, il n'y a plus de CDI, il n'y a plus d'emploi. Est-ce qu'il y a des solutions? C'est ça que je voulais demander, moi. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Changement de décor. C'est dans le 7e arrondissement de Paris que se trouve le ministère du Travail. Avant d'entrer, petite appréhension. Madame la ministre aura-t-elle du temps à nous accorder? En ce moment, elle travaille d'arrache-pied à l'élaboration de sa future loi sur la réforme du droit du travail. Le ministère du Travail, voilà. Ouais, c'est plutôt beau, hein? C'est pas mal, hein? Je suis en train de me dire qu'heureusement que j'ai pas mis de talons. Bah ouais, ça c'est fait pour les chevaux, je crois, à la base, hein, de... les pavés, il me semble. Hein. Bonjour. Enchantée, Madame Sarah. Madame Becker, bonjour. Enchantée, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre fonction? Je suis la conseillère communication et presse de la ministre. J'étais déjà avec elle avant, quand elle était à la politique de la ville. Quand elle a été nommée ici, elle m'a demandé de la suivre. Donc voilà, on est dans un cas, par exemple, où j'ai suivi la ministre. Et donc voilà, je la conseille sur tout ce qui est communication et presse. D'accord. Et donc je suis habilitée à dire ce qu'elle pense, à dire ce qu'elle croit, à dire ce qu'elle veut. C'est mon rôle. J'ai le droit de m'exprimer pour elle auprès de la presse. En général, quand c'est moi qui me suis exprimée pour elle, on met dans l'entourage de la ministre ou un proche de la ministre. C'est donc ça le fameux dans l'entourage. Au ministère du Travail, c'est que c'est le conseil. Voilà, ah ouais. C'est qu'en général, c'est le conseiller communication qui s'est exprimé, évidemment, toujours en accord avec la ministre ou le ministre pour lequel il travaille. Les ministres passent, mais le chômage reste. Ce serait une belle histoire qu'une jeune femme née à Rabat d'un père commerçant et d'une mère enseignante réussisse à changer la donne. En fait, ici, c'est les très anciens et là, c'est les plus récents. Donc, Madame El Khomri, ça sera une des rares femmes, en fait. Puis là, il y en a une autre. On peut les compter sur les doigts d'une main. Oui, c'est elle. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je peux vous importuner avec une question ou deux? Bonjour. Vous pouvez... Il faut absolument que je fasse un coup de fil urgent. Bah, allez-y. Vous en prie, le travail d'abord. Non, c'est moi qui... Non. Hey, il y a une alerte qui vient de tomber. Laurent Fabius, pressenti pour présider le Conseil constitutionnel, quitte le gouvernement.
C'est pour ça, il dit. Sans le remaniement, quoi. Bah, de toute façon, on le sent. On a senti dans l'air. On a senti un peu l'ambiance. Je ne dirais pas du stress, mais. Ah, si, tu stresses, on peut le dire. Bah, à mon avis, pour eux, ça. Certains vont jouer leur place, quoi. Mais on sent quand même que l'ambiance, elle est tendue, parce qu'ils ne peuvent pas trop en dire. Qu'est-ce que vous allez faire après? On ne sait pas trop, tu vois. C'est super. En fait, on a l'impression qu'ils savent pas trop ce qui va se passer eux-mêmes. Alors, ils jouent très bien. Suspense. Ouais, déjà, faudrait lui demander si elle se sent concernée, quoi. Ouais. Il y a des ministres qui sont plus ou moins sûrs de ne plus être là, quoi. Ouais. Mais bon, faudrait déjà qu'elle ressorte de son genre. C'est ça, le souci. Allez, dure. Je crois qu'après, elle part direct, parce que regarde, ta voiture, elle est prête. C'est-à-dire que les questions, c'est express. Tout est express. Je suis en train de répondre à notre question, s'occuper des affaires de l'État. C'est bon? Par contre, du coup, elle a fait un peu travailler parce qu'elle est en train de lire ses questions et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Je viens attendre. Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. C'est vrai? Rien de grave? Ça va? Super. Voilà, je sais pas. C'est pas. Vous êtes là depuis ce matin, donc. Bah, on vous reste. Et là, donc, vous allez devoir faire comme si tout allait bien. Exactement. Oh là là, les problèmes. Mais justement, pour. Ça, c'est quand on marche dessus. Ah, d'accord. Mais justement, moi, je voulais vous demander comment est-ce que vous appréhendez votre journée? Comment est-ce qu'un ministre peut appréhender sa journée? Est-ce qu'il peut prévoir des choses? Ou est-ce que. Non, on a quand même des visites de terrain, des choses qui sont particulièrement bien organisées. Après, il y a des aléas, comme dans toutes les journées. Et c'est vrai que, voilà, bon, ça, c'est des aléas plus personnels. Ça peut arriver que... Moi, j'aurais une question. Après, je vous laisse vous en mettre. Et je me pose une question sur la fonction de ministre. Être ministre du Travail, c'est connaître le droit du travail sur le bout des doigts ou c'est prendre des décisions, selon vous? C'est prendre des décisions. C'est aussi avoir une vision pour notre pays, pour la compétitivité de notre économie. Quand j'ai parlé de la formation des demandeurs d'emploi, c'est permettre aussi aux personnes les moins qualifiées, c'est l'investissement humain qui est bon pour la compétitivité de notre économie. C'est aussi préparer l'avenir, et les jeunes, l'apprentissage, le valoriser. Voilà, c'est et donc c'est prendre des décisions. Donc c'est avoir une vision, mais bien évidemment, il faut aussi... on est bien sûr entouré des meilleurs experts sur ces questions-là, mais il faut aussi... travailler ces dossiers et connaître, bien sûr, le droit du travail. Devant le chômage qui fait que de monter, est-ce qu'il y a une certaine forme de découragement qui finit par arriver? Non, il ne faut pas avoir du découragement. C'est surtout les personnes qui sont en recherche d'emploi qui sont dans une situation de découragement et de désespérance. Là, sur les 5 derniers mois, depuis que j'ai pris mes fonctions, on a eu un peu des effets yo-yo d'un mois à un autre, où les chiffres étaient bons, les chiffres étaient moins bons. Après, il faut tout mettre en œuvre justement pour favoriser le retour à l'emploi. 2015 a été une année un peu différente des autres années, c'est-à-dire que notre pays a plus créé d'emplois qu'il n'en a détruit. Et donc, ça veut dire qu'on a une petite reprise de l'activité économique. L'enjeu, c'est que ça s'accélère. Excusez-moi, madame la ministre, j'ai un cœur, je ne peux pas continuer l'interview alors que vous tenez. Ouais, je suis vraiment désolé. Je vais vous laisser vous reposer. Merci pour le temps que vous avez. Ouais. Merci à vous. Et bon courage. Pas d'arrêt de travail pour Madame la Ministre. Sa journée n'est pas encore terminée. Nadjet Boubeker nous propose de la suivre dans le 20e arrondissement pour un rendez-vous secret à la Direction nationale de Pôle emploi. Et vous en faites souvent des sorties comme ça? En fait, on a une ministre qui est très attachée au terrain. Et elle fait partie de ceux qui font le plus de déplacements. Yann est chef de cabinet adjoint, donc c'est lui qui est en charge l'agenda
de la ministre, donc il est mieux à même de vous dire que moi la densité de cet agenda. Et il est bête. C'est toujours animé ou il y a des semaines qui sont calmes? C'est-à-dire calme. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où il faut mieux se préparer parce que... En fait, elle fait l'actualité ou... C'est un ministère qui fait l'actualité... Tout le temps. Tout le temps. Sirène, hélicoptère, policiers à tous les coins de rue, drôle d'ambiance au Pôle emploi. À peine arrivé, on nous explique que toutes les personnes avec les oreillettes ne doivent pas être filmées. Vous floutez. Visiblement, un invité surprise est attendu. Parce que là, en fait, Madame la Ministre doit accueillir... Le Président de la République. Parce qu'elle est en charge du dossier de travail. Exactement. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur. Un de mes collaborateurs qui va venir vous prendre en charge. C'est gentil. Merci, on vous attend, ne vous inquiétez Merci. Pas. Ne vous inquiétez pas, on n'allait pas le suivre. C'est pas du tout. Monsieur le Président, c'est la deuxième fois que je vous croise en déplacement. Et oui. C'est la deuxième fois au Pôle emploi. Donc, vous étiez avec moi en La Roche-sur-Yon. Achel. C'était... Je suis allé à La Roche-sur-Yon aussi. Et pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ici pour la première fois? Justement, parce que c'est une première fois. Puis c'était important d'entendre de la part de la direction de Pôle emploi les résultats qui ont été ceux de 2015. Parce que ici, c'est un travail humain qui se fait. Et pas simplement des statistiques que l'on agite. Et pourquoi avoir fait confiance à Madame El Khomri pour gérer ce portefeuille? Parce que je pense qu'elle avait cette expérience déjà d'avoir été au ministère de la Ville et donc de bien comprendre ce que pouvait être les logiques territoriales, mais aussi d'avoir une génération qui sait ce que c'est que le chômage. Parce que cette génération qu'elle représente, elle a toujours connu. C'est quand même ça dont on doit se préoccuper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ben oui. Direction l'Assemblée nationale. Myriam El Khomri n'a pas fini sa journée marathon. Elle doit répondre à l'opposition qui présente un projet de loi sur l'apprentissage. Apparemment, tous les députés n'ont pas le même rythme de travail que Madame la Ministre. Ouvrir l'apprentissage des 14 ans en alternance n'est tout simplement pas conforme à la directive européenne de 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Mais plus généralement, je ne veux pas renoncer à ce que les jeunes acquièrent un socle minimum de compétences qui leur permettra d'évoluer tout au long de leur vie. Est-ce qu'on peut assembler ça? Comment on prend les mesures? C'est beau, hein? Oui, oui. C'est super. Chocolat, rose, citron, ça va être à votre disposition, pas de problème. C'est café. À partir du moment où les élèves en ont encore, il n'y a pas de souci, c'est pour tout le monde. Excusez-moi, Madame El Khomri, vous avez le temps de faire des gâteaux?
de faire des gâteaux le dimanche après-midi avec mes filles. C'est vrai? Oui. Mais pas du tout à la hauteur de ce que je veux. Pour nous, là, ce qu'on veut privilégier, c'est le taux d'insertion. Mais il faut que ce soit quelque chose où il y a une passion, où il y a une envie. Parce que l'idée, c'est pas de vous mettre dans des stages parking. C'est vraiment l'idée de que ce soit porté, que ce soit un vrai accompagnement à la reconversion professionnelle. En gros, que la réponse aux demandeurs d'emploi soit bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la question du financement, elle sera là, parce qu'on met 1 milliard sur la table. Je me permets de poser une question. Quand vous avez décidé de faire une filière professionnelle, comment ont réagi vos parents, vos professeurs, conseillers d'orientation? C'était plutôt bien vu. Alors là, nous avons des adultes en reconversion professionnelle. J'ai juste 45 ans. Le bide, pardonnez-moi. Attends, on peut adapter la question. Comment est-ce que dans votre entourage, ça a été perçu? C'était très très bien perçu parce que finalement, en France, quand on rentre dans une filière professionnelle, il est très difficile d'en sortir. Moi, j'ai passé 20 ans dans l'assurance. Quand bien même j'ai fait plein de métiers différents, j'étais estampillée assurance. Et vouloir faire autre chose, c'est quasi impossible en France. Retour au ministère. Le remaniement a eu lieu. Myriam El Khomri garde son portefeuille. Toute son équipe s'apprête à accueillir Clotilde Walter, la nouvelle secrétaire d'État à la formation professionnelle. Est-ce qu'on est soulagé après un remaniement et qu'on voit qu'on est toujours en place? Oui. Comme la ministre le dit souvent, elle est ministre du mercredi au mercredi. On ne sait jamais quand on est ministre. De toute façon, ministre, c'est une fonction, c'est pas un métier. Donc, Comment ça se passe? C'est que vous, si jamais... Là, Myriam El Khomri, ça n'a pas été le cas, mais si elle avait dû partir, en fait, vous, dans vos bureaux, vous devez tous partir. Non, mais concrètement, vous devez partir de... Les contrats sautent le jour du... Si le ministre est démis de ses fonctions, d'accord. Tous les contrats s'arrêtent, tous les contrats cabinets, parce qu'on est liés directement à la personne, d'accord. Tombent... Instantanément. Instantanément. Écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse accueillir votre nouvelle secrétaire. Personne. Il y a du monde. Non, mais même quand il y a du monde, en fait, ça s'entend pas. Les gens, ils parlent doucement, ils travaillent doucement. Ils font tout doucement, quoi. Les ministères, ils sont bien élevés. Non, c'est bon, j'achète. Moi aussi. En tout cas, elle en a fait du chemin, parce qu'elle est née au Maroc et elle se retrouve là. Moi, je serais fier. Bah, je pense qu'elle est fière, quand même. Je pense. De toute façon, on peut être que fier. Mais je pense que ses parents aussi doivent être fiers de son parcours. Madame la ministre, vous nous avez permis de passer plusieurs jours dans votre ministère. On vous sent très à l'aise quand vous êtes sur le terrain, en sortie avec les jeunes que vous rencontrez. Est-ce que c'est dû à votre parcours, qui n'est pas forcément classique pour un ministre ? Moi, je ne peux pas juger le parcours des autres. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours... j'aime les gens. Voilà, donc... j'aime ces jeunes, ils ont des choses à nous dire. Moi, quand je vais les rencontrer, je ne vais pas leur demander « Est-ce que tout va bien ?» Je leur demande « Qu'est-ce qui a été compliqué pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ?» Parce que, voilà, moi, je veux traiter les problèmes, donc apporter des solutions. Donc, moi, ça fait partie de moi. J'aime ça. J'aime aller au-devant, j'aime comprendre comment ils en sont arrivés là, et après, comprendre, et après, agir. Voilà. Et là, on a été, en fait, dans une pâtisserie plutôt renommée. Gastronomique. Oui. Les jeunes très belle école. Sont plutôt... à l'aise avec leur avenir, ils le voient plutôt positivement. Est-ce que vous avez conscience que si vous serez allé dans un lycée professionnel où on a beaucoup de jeunes, ou un CFA où on a beaucoup de jeunes qui sont là par dépit, ça aurait peut-être pas été la même visite? Ah, mais j'en ai fait plein des CFA, où parfois les jeunes sont pas en dépit. J'ai d'ailleurs commencé par là. Et je pose les mêmes questions. Et le problème, c'est que... faut pas construire des boîtes où les jeunes vont rentrer dans chacune de ces boîtes. Donc c'est ça qui explique les ruptures aussi parfois des contrats d'apprentissage. Parfois les conditions de travail, mais il y a aussi le fait que vous tous là, vous allez aller en
comptabilité secrétariat, alors que parfois, bah, les taux d'insertion vont être de 20%. Parce qu'on a mis aussi dans la tête des jeunes, quand on leur demande c'est quoi la réussite pour vous, bah, ils vont vous répondre c'est travailler dans un bureau. Ça, c'est très français. Et bien, parmi les jeunes donc, qui pensent que le Pôle emploi est une simple étape de la vie, il y a Giuseppe et Kevin qui ont des choses à vous dire. Croisé devant le Pôle emploi de Bondy. Exactement. Moi, je m'appelle Giuseppe, je suis au lycée Jean Renoir à Bondy, pas loin d'ici, je suis en première ES. Je m'appelle Kevin, je suis dans le même lycée, dans la même classe, et j'ai 16 ans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avoir un travail, c'est pas pour se faire plaisir, c'est surtout pour avoir de l'argent, donc... Moi, mon objectif, c'est plus d'avoir un travail que j'aime, c'est juste de m'en sortir. Quand j'écoute les profs parler de moi, j'ai pas l'impression d'avoir un avenir, parce que... En fait, j'ai l'impression qu'on est scellés à être des banlieusards. Peut-être j'ai des chances d'être astronaute ou président, mais je préfère voir un truc bas. Et si jamais je finis haut, bah, c'est mieux pour moi. Voilà, bah, ministre. Vous n'êtes pas ministre du chômage. Vous êtes ministre du travail, faites quelque chose pour nous. Et essayez de faire en sorte que les jeunes aujourd'hui ils croient en l'avenir. Ils essaient de se bouger, ils essaient de faire leurs études, ils essaient de continuer et qu'ils puissent avoir un taf plus tard. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour les rassurer? Ils disent des choses très justes. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui, où la reprise de l'activité économique elle est assez timide, je comprends la question alimentaire et quand on a besoin de manger à la fin du mois, c'est on va... Qu'il en promet, mais sauf qu'aujourd'hui, non mais voilà, c'est pour ça que je veux dire. Non, je comprends qu'on puisse dire ça à 20 ans, je comprends qu'on puisse dire ça. Sauf qu'il a 16 ans. C'est ça que je voulais vraiment préciser. Il a 16 ans. Et que parfois, on a aussi une sorte, une forme d'autocensure, parce qu'on est tous dans le même quartier, parce que quand on est diplômé, on n'arrive pas à trouver un emploi, etc. On croit qu'il y a plein d'emplois qui ne sont pas pour nous. Et alors là, sincèrement, on a mis en place ce qu'on appelle les cordées de la réussite avec des partenariats des grandes écoles, le parrainage avec des chefs d'entreprise, passeport avenir, nos quartiers ont du talent, etc. Qu'on déploie massivement et de plus en plus. Surtout, surtout, ils sont là pour ça. Ils sont là pour lutter contre ce phénomène d'autocensure. Madame El Khomri, entre vos mains, vous avez peut-être la réélection de François Hollande, la crédibilité éventuelle du gouvernement, du moins du point de vue de cette fameuse courbe du chômage. Comment est-ce que vous arrivez à être aussi positive et dégager autant de ventes positives malgré ces grosses responsabilités? Mais parce que j'ai avant tout... ma mission, c'est avant tout que les demandeurs d'emploi trouvent un emploi. Et pour ça, il faut de l'énergie. Parce qu'en effet, il faut être lucide sur certains blocages dans notre société, il faut être lucide sur la difficulté parfois d'accompagnement que peuvent avoir des conseillers de Pôle emploi, il faut être lucide sur le fait que parfois des politiques publiques, elles sont un peu conçues en logique administrative et pas toujours en fonction des bénéficiaires, donc il faut être lucide sur la réalité des choses. Si on veut être lucide sur les solutions à apporter, il faut être très lucide sur les problèmes qui existent. Donc oui. Moi, j'ai plein d'énergie pour réformer mon pays, parce qu'il y a des choses qui doivent être réformées dans notre pays. Là, actuellement, je suis en train d'élaborer une loi qui doit passer en Conseil des ministres le 9 mars prochain, qui vise à apporter plus de souplesse dans notre droit du travail, mais aussi de la sécurité pour les salariés. Quand vous avez, par exemple, un conflit social dans une entreprise, s'il n'y a pas de loyauté, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de transparence sur la réalité financière de l'entreprise, vous n'arriverez jamais à avoir un climat de confiance et parvenir à des accords. La première condition d'un dialogue social dans l'entreprise, c'est la transparence et la loyauté. Une entreprise, c'est un collectif. Il y a bien sûr l'employeur hein, qui prend des risques, mais c'est aussi les salariés qui font que la production, qui font que le produit qui sort de l'entreprise a cette qualité parce qu'il y a de la compétence, parce qu'il y a des salariés qui s'investissent. Donc c'est un tout. Donc il faut créer les conditions pour que le tout arrive à parler de tout. Et c'est là où parfois on a des difficultés, et c'est ce à quoi s'applique ma loi. Vous allez donner votre nom à une loi, un nom à consonance maghrébine. J'aimerais savoir si maintenant, ça y est, c'est acté dans la vie politique, des personnes issues de la diversité, comme on dit, soient là, ou s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. Parce que quand on est là, on a tout de suite la réponse et le casting. C'est-à-dire qu'avec... Avant... On ne pouvait pas y accéder. Et maintenant, quand on y accède, on nous dit que c'est juste parce qu'on a cette couleur de peau. Donc, il y a quand même... On remplit des cases, en fait. Donc, il y a toujours un truc un peu bizarre, au final, où la couleur de peau ou le nom est un marqueur très fort dans notre pays.
Dans la pratique politique, ça s'est amélioré, puisqu'on voit bien qu'on a de plus en plus de députés. Ça se fait plus naturellement. On les considère, on a de plus en plus d'élus locaux, on a des députés, là, dans les ministres, etc. Mais on est jugé toujours à travers ce prisme-là. Et on arrive parfois encore à ce qu'on me demande aussi, et parfois ça arrive, pourquoi j'ai pas pris le nom de mon mari ? Combien de femmes n'ont pas pris le nom de leur mari ? Et puis moi, j'ai eu le droit d'avoir une vie politique avant de me marier. Mais comme si ça m'était l'idée que finalement j'ai gardé mon nom parce que ça allait m'aider en politique. C'est ça derrière. Un procès d'intention. Mais oui, c'est ça qu'il y a derrière. Et c'est là où on a encore du chemin à parcourir. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Merci pour tout le temps que vous nous avez accordé. Merci et bonjour à tout le Bondi Blog. Bon, on leur transmettra. On ne manquera pas. Accessible, souriante, en sortant du ministère, difficile de ne pas trouver Madame la Ministre très sympathique et très déterminée. Alors, l'ancienne étudiante en droit, passionnée de théâtre, sera-t-elle la première ministre du Travail à annoncer l'inversion de la courbe du chômage ? Et maintenant, comment va être reçue sa nouvelle loi ? Réussir à garantir à la fois plus de souplesse pour les employeurs et plus de sécurité pour les salariés ? Principe de réalité ou mirage d'un socialisme moderne ?